Encore moi, bonjour frères et sœurs. Il y a plusieurs qui viennent de m'envoyer des messages inbox pour me dire qu'ils aimeraient voir dans le direct directement le compte dont je parle. Parce qu'il y avait, il y avait deux comptes, la Belle au bois dormant et puis le magicien d'Oz, dont je viens de parler dans un direct que je viens de faire. Et il y a plusieurs, je viens de recevoir plusieurs messages. Les gens me disent qu'ils souhaiteraient voir ils souhaiteraient voir le compte dans le direct pour que lorsqu'ils vont le publier, les autres personnes puissent voir directement ce compte-là. Je trouve que c'est vrai, c'est juste, parce que tout le monde n'a pas le réflexe d'aller chercher à cliquer sur un lien. Et donc, c'est une sœur du Gabon qui s'appelle Djadji Jojo, la Gabonaise, qui est conteuse aussi. Nous sommes homonymes. Et c'est elle qui m'a envoyé ce lien-là hier, une vidéo qu'elle a faite sur YouTube. Elle a une chaîne. Et j'ai décidé de faire une vidéo pour vous présenter. Mais puisque un des comptes a été supprimé et que elle, dans son direct, dans sa vidéo, il y a un extrait de ce compte-là. Voilà pourquoi j'ai voulu vous le présenter, mais avec le son, vous n'avez pas entendu parce que elle parle un peu, elle parle pas trop fort. Mais je viens de finir le direct et avec les messages que j'ai reçus, je trouve que c'est juste que je vous présente le compte qui est encore en cours. Voilà pourquoi j'ai décidé de refaire un autre direct qui va vraiment vous présenter ce compte-là. Je suis vraiment désolé. J'ai un problème avec le son, mais je vais acheter des baffles aujourd'hui. Je vous le promets pour que on n'ait plus ce genre de contretemps-là. Alors, je vais vous faire écouter le compte, le magicien d'Oz. C'est encore sur la même chaîne qui avait fait Dina et le prince. Donc, vous allez avoir deux directs aujourd'hui que je vais vous demander de partager à vos contacts. Et puis, on refait la même chose comme on a. Donc, je vais vous présenter. Je suis en direct, s'il te plaît, ma soeur. Niamiawa. Est-ce que ça fonctionne? Ah, d'accord, ok. Donc, suite à la suggestion de plusieurs d'entre vous qui m'ont fait la remarque, je refais un autre direct où je vais vous présenter la partie où on montre la femme noire, mais dans l'autre vidéo qui a été supprimée par la suite, c'était La Belle au bois dormant, où la femme noire était la méchante qui n'a pas été invitée et puis qui est venue, puis qui a. Voilà. Donc, je vais vous présenter. Bon, je n'ai pas pensé à faire ça comme ça, mais bon, j'apprends au fur et à mesure. Et puis, je vous remercie de votre confiance. Bon, donc je vais aller directement dessus, sur la partie là. Ici, là, je pense que le son est assez bon. J'en suis capable. Comment est-ce que je peux gagner face à elle? Bien sûr que tu peux. Celui qui ose gagne. Alors, va et tue la sorcière de l'Ouest. Et seulement après, je réaliserai tous vos souhaits. D'accord, mais comment vais-je la trouver? Elle te trouvera. Il te suffit de suivre le soleil et d'aller vers l'Ouest. Le magicien lui chuchota quelque chose à l'oreille. Dorothy et
et ses amis se mirent à aller vers l'ouest. Ils n'avaient aucun plan pour vaincre la sorcière de l'ouest, mais pour exaucer leurs souhaits, ils allaient relever ce défi. La sorcière de l'ouest possédait une longue vue. Partagez, s'il vous plaît. Elle pouvait voir de très loin. La sorcière vit Dorothy et ses amis venir vers elle. Ah, cette jeune fille porte les chaussures de la sorcière de l'Est. Si j'obtiens ces chaussures, je deviendrai plus puissante. Et je pourrai enfin faire ce que je veux. La sorcière appela une meute de loups et leur ordonna de tuer Dorothy et ses amis. Les loups attaquèrent Dorothy et ses amis. En voyant les loups venir vers eux, tout le monde prit peur, sauf l'un des trois. Il sortit sa hache et tua tous les loups. Ils le félicitèrent tous pour sa bravoure. La sorcière de l'Ouest s'énerva, puis elle envoya plusieurs corbeaux les attaquer. En voyant les corbeaux arriver, l'épouvantail dit « Laissez-moi m'en occuper !» Et l'épouvantail effraya, puis tua tous les corbeaux. Comme elle n'arrivait pas à tuer Dorothy et ses amis, la sorcière de l'Ouest était encore plus furieuse. Avec colère, elle appela son équipe de singes et loups. « Allez, et ramenez-moi tous! Je veux qu'ils soient mes esclaves !» Les singes ailés allèrent sur Dorothy et ses amis, et les capturèrent tous, les ligotèrent, et les présentèrent à la sorcière de l'Ouest. La sorcière de l'Ouest était très heureuse de les voir. Donne-moi ces chaussures, petite fille. Non, elles sont à moi. Le maire me les a données. Tu ne sais pas comment utiliser leur magie. Moi, je sais. Donne-les-moi. Non. Je ne les donnerai pas. Je vais tuer ton ami le lion si tu ne me les donnes pas tout de suite. Non, tu ne peux pas le tuer. Tu en feras ton animal de compagnie au lieu de le tuer. Oh, tu es intelligente. Très bien. Ne me donne pas ces chaussures. Viens, je vais t'offrir quelque chose à manger. Et la sorcière de l'Ouest emmena Dorothy dans sa cuisine. Mais avant qu'elle n'entre dans la cuisine, la sorcière, le pouvoir magique, rendit le sol mouillé, chose que Dorothy ne pouvait voir. Viens, Dorothy, viens donc manger quelque chose. Lorsque Dorothy marcha sur le sol mouillé, elle glissa et une de ses chaussures s'échappa. La sorcière la saisit et l'enfila. Maintenant, donne-moi l'autre. Non, je ne te la donnerai pas. Donne-la-moi, ou sinon je tuerai tous tes amis. À ce moment, Dorothy se rappela du tour du magicien. Oh, comment savais-tu que je fondrais dans l'eau et que je disparaîtrais que quelqu'un m'aide? Qu'est-il arrivé à la sorcière, Dorothy? Elle a disparu. Nous sommes libres. Tout le monde était content d'apprendre la nouvelle. Ils retournèrent chez le magicien d'Oz. Dorothy lui raconta pour la sorcière de l'Ouest. Le magicien d'Oz était heureux. Il exauça le vœu de tout le monde. Il donna à l'épouvantail un cerveau, à l'homme d'étain un cœur et du courage au lion. Monsieur, vous n'avez... Bon. Je vous demande de continuer à partager cette vidéo. Vous avez vu avec moi, hein? La vidéo dure, elle dure 12 minutes. Vous allez pouvoir aller la voir. Le titre, c'est Le Magicien d'Oz. Et c'est la même chaîne qui a fait la vidéo sur Dina et le Prince. Je ne suis pas bonne en anglais, donc je ne sais pas si je vais pouvoir prononcer correctement le nom parce que c'est en anglais. De toutes les façons, vous pouvez... je vais mettre encore le lien. Je vais mettre encore le lien. Et donc, dans ce conte-là, c'est une jeune fille qui dort quelque part et puis elle se réveille ou je sais pas, quelque chose comme ça là. Et sa maison tombe. Elle arrive dans un endroit où il y a des gens qui l'accueillent et on lui dit que sa maison est tombée sur une sorcière.
Mais on ne voit pas le visage de la sorcière, on voit seulement deux pieds qui sortent en dessous de la maison. Et on dit qu'elle a tué la sorcière, on la félicite. Mais il faut qu'elle tue la deuxième sorcière. La première sorcière, c'est la sorcière de l'Est. Je vous dis, on ne voit pas le visage, on voit deux pieds qui sortent et qui représentent les pieds d'une blanche. Mais on ne voit pas son visage. Et elle doit aller tuer la sorcière de l'Ouest. Elle s'en va, c'est le magicien d'Oz qui va l'aider à tuer cette sorcière-là. Et elle arrive chez la sorcière, cette sorcière, c'est une noire. Là, on la voit entièrement. Non seulement la sorcière est noire, mais elle est méchante. Elle cherche à tuer la petite. Elle cherche à prendre les chaussures. Bon, blablabla. Bla, bla, bla. Vous allez aller voir. Donc, on va faire encore comme on avait fait l'autre fois. On va aller, comment on appelle ça, signaler cette vidéo. Le combat, il est long. Il est très long. Mais des petites victoires comme ça fait du bien. Il faut qu'on réussisse à faire supprimer cette vidéo encore. Parce que dans cette vidéo, on démontre que le noir, cette fois, ce n'est pas la laideur, mais c'est la méchanceté. C'est une noire qui représente la méchante, la mauvaise. Donc vous voyez, on véhicule ce genre d'informations dans la tête des enfants. Ils grandissent avec ça et souvent on est surpris. On dit, mais malgré tout ce que aujourd'hui avec la technologie et tout ça là, comment se fait-il que des gens continuent de penser comme ça de nous? Mais ce sont ces informations qu'on leur véhicule, ces messages subliminaux qu'on leur donne de façon subtile. Mais ils grandissent avec ça. Un enfant qui a regardé ce conte-là, mais ça reste dans son cerveau quelque part là-bas, que le noir ne représente que le mauvais et le méchant. Il va grandir avec ça. Et lui-même, il ne comprendra même pas pourquoi il a peur du noir ou bien pourquoi il déteste les noirs. Parce qu'on lui aura inculqué quelque chose dans son enfance qui se sera logé dans son cerveau quelque part. C'est ça qu'on appelle les messages subliminaux. On ne se rend pas compte, mais ça a un impact à très long terme. Et donc, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est le deuxième direct que je fais ce matin. Vraiment, excusez-moi. Comment on appelle ça? J'avais fait déjà un premier direct, mais le son faisait défaut parce que j'avais reçu une vidéo d'une sœur gabonaise qui m'a envoyé sa vidéo qu'elle a faite, mais le son était faible. Donc, finalement, j'étais obligé de faire ce deuxième direct, parce qu'il y a plusieurs qui m'ont dit qu'ils préfèrent voir le compte en direct dans le direct. Donc voilà pourquoi j'ai repris. On va partager encore une fois et puis on va aller chercher à supprimer cette vidéo-là. Merci beaucoup, vraiment. Il faut pas qu'on baisse les bras parce qu'il faut pas qu'on pose des actes ponctuels et puis après, bon, la vie continue. Il faut que chaque fois, là je remercie beaucoup la sœur Gadi. Gadi Jojo, la Gabonaise, qui m'a envoyé cette vidéo, sinon je n'aurais même pas su. Donc, chaque fois que vous allez voir des choses de ce genre-là, envoyez-les-moi pour que je fasse une vidéo pour alerter l'opinion de notre communauté. C'est ensemble qu'on va y réussir. C'est ensemble. Faisons le pas pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants aussi. Bonne journée à vous. Et puis, voilà. Bisous, bisous. Je vous aime. Désolé d'avoir pris encore de votre temps. Merci.